Cela fait maintenant plusieurs années que Cyril Hanouna est à la tête de l'émission Touche pas à mon poste. Dans celle-ci, l'animateur emblématique de C8 enchaîne les confidences, les révélations mais aussi les fous rires. À ses côtés se trouvent de nombreux chroniqueurs bien décidés à ne pas se laisser faire. Il y a quelques semaines, Cyril Hanouna a dit au revoir aux fans le temps des vacances d'été. Ce mardi 9 août, CIST dans un communiqué publié sur Twitter que la production a annoncé que l'animateur sera de retour à l'antenne le lundi 29 août, dès 19h10. Cyril Hanouna vous prépare une 11e rentrée de TPMP de folie, est-il d'abord indiqué. Après avoir clôturé la dernière sur des audiences records et jusqu'à plus de 2 millions de téléspectateurs, cette année vous allez encore vous régaler avec plus d'efforts, de débats, d'actualités médias et bien sûr plein de darka, est-il précisé. Un rendez-vous attendu par les téléspectateurs, impatients de retrouver leur chroniqueur préféré. Pour cette nouvelle saison, l'équipe de Touche pas à mon poste semble bien décidée à donner envie aux téléspectateurs. En effet, le communiqué leur met l'eau à la bouche. Autour de Baba, retrouvez tous vos chroniqueurs préférés, mais aussi des petits nouveaux que vous découvrirez dès le 29 août, est-il indiqué. Mais qui sont-ils ? Lesquels vont rejoindre la table des chroniqueurs emblématiques de l'émission? Vont-ils faire l'unanimité auprès des téléspectateurs? CIST dans le talk show TPMP sur C8, que tout se passera et pas ailleurs. Alors ne loupez pas une miette, cette annoncée s'annonce chaud, chaud, chocolat, peut-on lire ensuite? Cette nouvelle saison répondra-t-elle aux attentes des téléspectateurs? Pour rappel, la précédente a été au cœur de nombreuses polémiques, notamment à cause d'invités qui n'ont pas toujours fait l'unanimité. Cyril Hanouna, pourquoi avait-il souhaité remercier ses détracteurs? Le 23 juin dernier, Cyril Hanouna a animé la dernière émission de la saison et, pour cette occasion, il a souhaité s'adresser à ses détracteurs. Après avoir fait un bilan, il a indiqué que le programme avait beaucoup marché. Merci aussi à tous les gens, toutes ces personnes qui nous ont cassé les CS, avait-il débuté avant d'assurer que ces personnes ont contribué à ce succès. Non, mais si est-il vrai, notre succès, on leur doit, parce que je le redis, critiquez-nous, critiquez-moi, moi vous savez, je suis tranquillement dans ma cage, comme un lion et vous m'amenez de la viande, avait-il poursuivi. Un remerciement qui avait été très remarqué. Pourra-t-il compter sur la présence de ses détracteurs pour cette nouvelle saison ?